Bienvenue à tous pour la présentation de la première étape des Boucles de l'Oise, édition 2020, Trophée Arnaud Coyot. Cette première étape va se courir entre Le Plessis-Belleville et Le Plessis-Belleville. Le départ aura lieu à 13h15 pour un départ balade dans les rues du Plessis-Belleville. Nous avalerons très rapidement le kilomètre zéro pour un parcours de 112 500 km, une boucle à réaliser trois fois. Dans la plaine du Valois, plaine néanmoins escarpée, vallonnée, mais également bien souvent venteuse. Très rapidement, nous allons nous retrouver au kilomètre 7,5 dans la commune de Baron, qui sera le point de départ de la première difficulté du jour, avec en son sommet le meilleur grimpeur sponsorisé par les centres Leclerc de Le Plessis-Belleville. Les coureurs verront sous leurs roues une longue descente ultra rapide en ligne droite avant d'amorcer la seconde difficulté du jour, la côte de Fresnoy-le-Lua. Néanmoins, Fresnoy-le-Lua, comme vous pourrez le constater, ne sera pas réellement le sommet de cette difficulté. Le sommet réel est 3 km plus loin et se situe dans la commune de Rosières. Ensuite, les coureurs basculeront dans une descente en forêt pour retrouver la plaine du Valois. On amorcera un virage à gauche à la sortie de Versigny pour retrouver la nationale 330 et le premier sprint, le sprint de laine du kilomètre 27, sponsorisé par Sogea Picardie, avant de retrouver une nouvelle difficulté qui est non répertoriée sur le roadbook. À l'entrée de Montagny-Sainte-Féistet, dans le second tour, nous retrouverons le sprint du kilomètre 60, sprint parrainé par Sogea Picardie. Puis nous retournerons vers Le Plessis-Belleville avec la zone de ravitaillement à l'entrée de Célie-le-Long. À noter qu'au passage sur la ligne pour le dernier tour se disputera le sprint Somme au kilomètre 74,5 parrainé par Sogea Picardie. Merci à tous pour votre présence. Prenez beaucoup de plaisir, amusez-vous sur les routes des Boucles de l'Oise, Trophée Arnaud Coyot 2020. À samedi.